Merci, désolé, votre amour est en plus. Merci, je regarde. Bon, la peinture n'est pas encore terminée, on est loin d'avoir fini. Ah, c'est bien avancé quand même ici, hein. Attention. Ça avance, ça avance. Non, non, c'est une boîte en fait où on va évoquer le départ, les départs des marins des marins vers la France libre en juin 40, en particulier les marins d'Île de Sein. Voilà. C'est une petite boîte comme ça. On est dans le futur parcours de visite. Ouais. C'est difficile d'imaginer. Il n'y a pas les objets, il n'y a pas les affiches. On a juste les volumes, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'objets ni de vitrines. Donc, c'est difficile d'imaginer. Bon, là, tu vas reconnaître un petit peu parce qu'on a gardé la rue de Malétroit sous l'occupation, tu vois, avec la vieille épicerie. Ah oui. Donc ça s'est conservé, ça va être modernisé. Oh, c'est grand, hein. Oui. Oh, dis donc. Alors ici à droite, tu auras une colonne de véhicules américains. Tu auras une automitrailleuse M8, un Alstrak et une Jeep ici pour évoquer la libération de la Bretagne. C'est pas la salle qui raconte les combats de Saint-Marcel. Avec une grande maquette au sol, des projections, une grande vitrine avec tous les belligérants, tous les participants au combat. Donc on a un gros volume pour raconter la bataille de Saint-Marcel. On t'apprendra pas grand chose. Hein. Alors on va aller par là pour que tu puisses t'asseoir, on va te donner à boire. Intérieur, tu vois, avec une grande croix de Lorraine. C'était la cour, ça. Avec une grande croix de Lorraine. Alors oui, elle est beaucoup plus grande que dans l'ancien musée. Oui, je crois qu'on va aller. Et une chaise pour Marcel si jamais tu veux te poser 5 minutes. On avait prévu de partager un verre avec toi et puis on t'a amené une chaise si jamais tu veux te poser. Voilà. Eh ben on va s'asseoir. Allez. Et voilà.